Sœurs et frères bien-aimés, un grand bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons donc dans la situation de celui qui est béni. Car ce matin, Dieu nous fait grâce, Dieu nous donne la vie. La vie a circulé dans le poumon, dans tout sang, dans tout système. Le temps est venu maintenant de rendre grâce et de nous consacrer à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bienvenue à toutes et à tous à notre office du matin. Je vous salue, Marie, une prière. Mes yeux chers dans les cieux, ô notre mère, son amour est partout, dans tous les cœurs. Elle est tout comme à Lourdes, donnant petits et grands chantons, riches et pauvres priants, ils viennent tous à la source, demander à la douce d'exaucer leur prière. Ils ont un jour péché, ils prient l'immaculée, ils demandent à leur mère de porter près du père les regrets de leur cœur. Je vous salue, Marie. Une prière, mes yeux chers dans les cieux notre mère, son amour est partout. Je vous salue Marie, Vierge bénie, vous êtes dans nos cœurs, lumière et tout esprit, mère de tous les cœurs. Malade, boiteux, traînant, près de la source coulant, ils implorent son pardon, demandent guérison, ils versent tous des larmes. Et toi, dans ta bonté, tu en auras pitié, sortant une prière de ton cœur, cette mère, ils sont tous délivrés. Je vous salue, Marie. Une prière, et je cherche dans les cieux notre mère, son amour est partout. Je vous salue, Marie, Vierge bénie. Vous êtes dans nos cœurs, lumière et ton esprit, mère de tous les cœurs. Un matin, bon Dieu avait invité, ou l'avait invité, me découvrir et un paradoxe. Le paradoxe, ça veut dire, c'est pas quelque chose de vrai. Mais, autant que le vrai, il n'est pas facile à découvrir. Et au qu'on passe beaucoup de temps, on ne peut même rendre compte de ça. Quel est le paradoxe que vous-même et moi-même, nous sommes invités à découvrir ce matin? C'est celui de l'évidence de la grâce. Que nous puissions le c'est une réalité qui est vraie mais qui drôle en pile mon qui remet on a qui bon côté ou là pas même ouais ça mon qui a pédé ou là ou pas même rendre compte de ça mon vraiment qui venait pour le sauver ou là par les deux qui manquaient dire ça. Les paradoxal, mais les vrais, et que quelque côté bon Dieu qu'on met au pour grandir, et puis ou aborder le très mal. Que des mondes bon Dieu qu'on voyait bon côté ou, avec l'époque à arriver joindre bon Dieu, et puis ou même, ou à tirer pied. Et puis en contrepartie, très tristement,
Souvent, moun ki konn pa même vle ou la même, c'est dans quoi le collé. Moun kap chèche détruit ou la. Tristement, souvent, c'est konn pokote lou ta vle rete. Moun ki ta vle pou souf ou coupé, ki vle pou l'utiliser ou la, ki prend ou pou. Et sa patte la. Tristement, ou konn se bokote l ou ta vle avanse. Alors, au fils matin, hein, bon Dieu a dit ou bon Dieu a dit, le salut a passé bon côté. Là, j'ai mis au branle. Parce que situation ça, il est arrivé en pile peuple dans la Bible, notamment peuple Jérusalem. Là. Le bon Dieu voyait ange de bon côté. Discerner présence, les biologiques mains, prend grâce là. Quand la grâce passe, la grâce est à prendre. Quand Dieu passe, il est à expérimenter, il est à vivre, il est à embrasser. Fremsem, pas commettre même erreur avec peuple juif là. Pas commettre mes erreurs avec peuple Jérusalem, non. Pas commettre mes erreurs avec docteur de la loi, yo. Grand sacrificateur, yo. Pharisien, yo. Sadducéen, yo. Grand théologien, yo. Quand le Christ est parmi nous, quand le Christ est là. Discernez, yo. Discernez-le. L'enjeu, yo. Et laissez présence, les transformer, yo. La belle journée, je dis c'est ça qui commençait à hein? Songer pour l'ouvrir cœur. Parce que au monde, bon Dieu mette bon côté. C'est lui qui vient pour aider. Pour aider grandir, pour aider avancer. Embrasser-le. Il y a une situation côté bon Dieu pour le mettre là-dedans. Il y a un contexte pour le mettre. Songer pour embrasser-le. Et pour grandir avec elle. Gon position, bon Dieu, admettez-vous. Embrassez-le. Et puis grandir avec elle. Que la grâce est tout près. Oui, la grâce sera tout près. L'heure vient donc de la discerner. Et de l'embrasser. Jésus, tu sauvais les Juifs, mais ils ne t'ont pas vu. Qui était pour eux le fils du charpentier. Sur la colline, ils t'ont abandonné, toi, Dieu vivant, qu'ils n'ont même pas reconnu. Jésus, les Juifs n'ont su voir qu'un homme rejeté. Ils ont moqué le faux prophète mort. Ils ont plongé la lance dans ton corps. Ils n'ont pas vu l'espoir qui se levait. Jésus, les Juifs n'ont pas vu le signe sur ta main, la main crispée du Maître et du Créateur, qui bénissait le monde des pécheurs. Ils n'ont pas vu mourir le Saint des Saints. Ô Jésus, que vienne le jour de toute vérité, où nous aurons enfin les yeux ouverts sur cette grâce et cet amour offert. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci, bon Dieu Papa, merci.
Aujourd'hui, c'est jeudi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons méditer les mystères lumineux du rosaire. Et en ce 28 mars, et pas 27, 28, nous allons donc méditer les mystères. Nous allons méditer la vie de Saint Castor, qui était martyr en Turquie. C'est ça que l'Église a demandé nous aujourd'hui. Ils sont capables de regarder pendant toute semaine comment nous méditer sur la vie des martyrs pour comprendre et que la foi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Après le monde mort pour lui, il pourra le culminer demain dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Fremsum, le vrai cœur, et dans le chapelet, tournons-nous vers Dieu ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, en poussant en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs, disposons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour la méditation du premier mystère lumineux.
Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Immédiatement, Jésus-Christ fut baptisé, était sorti dans de l'eau. Hein. Voilà que ciel Dieu l'ouvrit. Et Jean-Baptiste qui a gardé l'esprit bon Dieu qui a descendu sur Jésus-Christ en couillon colombe. Et puis colombe l'a venu le poser sous Jésus. Et qui on voit dans le ciel là, qui a déclaré, qui a proclamé, si là, c'est petit moi remet en pile là, et dans les mêmes, moi déposer tout amour. Moi remet les en pile. C'est ça nous lit dans Matthieu, dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans l'évangile d'après Matthieu qui saint, chapitre 3e, verset 16. Acte 17. Prémsem. Jésus-Christ a reçu le baptême, non? Dans mes cousins, le Jean. Et puis, pendant le soutien dans l'eau, le texte l'a dit, nous, que ciel y a l'ouvrit. Ciel y a l'ouvrit. Parce que le baptême n'a gagné. Et yon. Et fait que les produits de la vie moune. Il fait moune sortir de la vie naturelle pour lui entrer dans la vie spirituelle. Baptême, il fait moune sortir dans le monde là, pour lui entrer dans la grande famille de Dieu, pour entrer dans l'église. Baptême, il recouvre moune avec un manteau de grâce, un manteau de bénédiction. Le monde recevoir le baptême, en effet, le ciel l'ouvrit, pour le ciel l'ouvrit. Et bon Dieu a déclaré sur vous-même, amour. Appelez-nous par rendre nos comptes. Nous fait partie du peuple de Dieu en vertu de notre baptême, à cause de notre baptême, par notre baptême. Appelez-nous qu'on réjouit nous. Le nap marié, le nap communié, le nap vintouné prêtre. Parce que dans la vie adulte, nous voyons comme des accomplissements, des promotions, des grades que nous prend. Mais puis gros fête là, puis gros célébration, l'état d'où je vous baptême. Son jour où tu as dû chercher qu'on est et puis où tu as célébré. Naissance, c'est un bel jour. Parce que maman, tu es mis au monde. Tu es au cap crié. Docteur a été pour et puis tu es déposé dans le bras maman. Papa, tu es là, tu es content. Famille, ou aller à l'hôpital là-bas où il y a un papier. Il y a des timbres. Et puis ben, où il y a un nom. C'est un bel jour, mais. Jour qui pique extraordinaire, c'est jour entrant de famille bon Dieu. Ya. C'est jour que Satan par les pouvoirs sur vous encore. Ya. C'est jour que le prêtre là pour prendre l'huile Saint-Crème, pour le consacrer. Il peut le passer dans l'estomac. Ou. Il peut le passer dans le dos. Il peut le passer l'huile là sous deux épaules. Ou. Sous oreilles. Ou. Sous yeux. Ou. Sous lèvres. Ou. Il peut le proclamer. Grâce, faveur, bénédiction bon Dieu. Oh, je baptême. C'est un heureux jour, frère Mzem. Parce que pour le ciel, là, il ouvre pour vous. Alors, matin, frère Mzem, en nous renouveler pour mes baptêmes, nous, au matin. Hein. Nous pas rebaptiser tête, nous, mais nous capables de renouveler pour mes baptêmes, nous. Parce que, pile dans nous, je dis là, que ça t'a mis les pieds sous le cou, nous, c'est parce que nous avons tout fait image baptême dans nous-mêmes. Identité baptême, non, saut baptême, non, tout fait le droit dans nous-mêmes. Quand il y a nous, qui capable à juste titre, dit, je me baptise, je ne pas de connaître, et ça fait pas jamais vivre baptême, moi, comme une vraie réalité. Alors, matin, hein, opportunité à lui offrir à vous-même. Bon Dieu a dit, bon Dieu a dit,
vous êtes des baptisés, vous êtes mes enfants par votre baptême, alors renouvelez en vous vos promesses de baptême. Et que Matthieu 1, vous venez tout neuf, et que par ce baptême, vous devenez prêtre, prophète et roi, que par ce baptême, vous devenez prêtresse, prophétesse et reine dans le royaume de Dieu, de la grande famille des enfants de Dieu. De cette première dizaine, demandons la grâce du renouvellement de la vie spirituelle en nous. Le renouvellement de la vie spirituelle en nous. Le renouvellement de la vie spirituelle en nous. Mais grâce n'a pas des matins pour la vie spirituelle qui est dans moi-même. La vie spirituelle qui est dans moi-même pour les renouveler matins. Pour les renouveler matins. Pour les renouveler matins. Première dizaine, première grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous.
Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Ces castors martyrs, priez pour nous. Ces castors martyrs, priez pour nous. Ces castors martyrs, priez pour nous. Et maintenant, mes frères et sœurs, disposons-nous. Prenons un moment dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour le deuxième mystère lumineux. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Trois jours après, tu as eu un mariage dans la ville Cana, dans la région de la Galilée. Maman Jésus était là. Jésus lui-même tout, il était invité dans la réception de noces là, avec tout le partisan lieu. Et puis voilà, il n'y a pas gagné du vin encore. Maman Jésus-Christ dit, il n'y a pas gagné du vin encore. Jésus-Christ répond, maman lui dit, madame, qui sont besoin, moi, non, mais moi, le pamna, il est beaucoup arrivé. C'est le ça. Donc, maman l'a dit, le monde qui l'a observé, tout ça, il dit, nous fait, fait-le. Vraiment que c'est mieux. Tu as un mariage qui t'a fait. Et ce mariage-là, qui prend l'occasion pour Jésus-Christ, fait le premier miracle. Très souvent, nous pas valoriser le sacrement mariage-là assez. Si pas de mariage, comme on a voulu pour tout le monde fait, pour grandir dans un bon environnement, si pas de mariage, comme on a voulu pour gagner un bon sentiment qui développait, dans respect et la dignité, l'une pour l'autre. Quel type de famille qu'on capable de gagner? Ce n'est pas qu'un mariage. Gagner un ensemble de vertus, un ensemble de qualités sociales, communautaires, on va développer ou en dehors du mariage. Et pour aller plus loin, même l'esprit de sacrifice. Apprendre à vivre ensemble, c'est un cadre familial que vous développez. C'est peut-être ça. Nous, tu dois encourager
nous devons développer et nous devons supporter le mariage. Tout côté nous passer. Malheureusement, dans le monde de la Jodia, un groupe qui est plus en faveur du mariage, c'est le groupe LGBT. On dirait Jodia, c'est eux-mêmes qui parlent plus de mariage. Et tristement, dans l'église, nous, nous plus à promouvoir les gens qui ne sont pas mariés, les gens mariage écrasé, les gens qui détruit mariage l'autre monde, les gens qui ne qui aucun modèle de couple. C'est comme pour dire, par le fait que l'église a développé un pile aspect l'hôpital là, nous avons des gens qui sont blessés, nous avons des gens qui ont subi des moments difficiles de mariage. Yo. Et puis, dans le cas de ça, les couples mariés, les gens qui ont fait des efforts pour avancer, nous avons fait yo, aider nous justement pour aider l'autre monde. Yo. Fremsem, c'est dans nos communautés, c'est dans nos groupes, c'est dans nos églises. Nous ne pas bailler la famille, j'arrête. Nous ne pas servir avec les gens qui sont mariés. Nous ne pas inviter les gens qui sont mariés pour aider nous dans le ministère. Yo. L'église, nous, yo, pape, des assemblées familiales encore. Mais l'église, nous, yo, nous sommes capables de dire, nous vivons en communauté, vrai. Or, nous définissons bon Dieu comme un papa. Bon Dieu, c'est papa nous qui est dans le ciel là. Et s'ils sont papa, ça veut dire c'est la tête de la famille. Même les gens qui sont dans l'église là avec nous, nous sommes le prêtre, nous sommes le père. Père Eutel, père Eutel. Donc l'église là, c'est une grande famille. Il y a le temps pour dans l'église nous yo nous promouvoir et nous utiliser nos servir nous demander aide nous des supports familiaux parce que avec famille yo n'a besoin un environnement propice et favorable pour nous développer des vertus communautaires comme le respect l'un de l'autre comme la quête de la dignité l'un pour l'autre, comme la bienséance, comme l'envie de travailler, comme l'esprit du sacrifice de soi. Tout ça, on développe dans la famille. Voilà pourquoi matin, hein, la deuxième dizaine de ça, nous allons prier pour le renforcement familial. Renforcement familial. Renforcement familial. Bon Dieu te prie, ma famille, j'arrête. C'est ça que je dis au matin. Et à travers le ministère, nous, bon Dieu, aidez-nous solidifier, supporter et promouvoir la vie familiale. Deuxième dizaine, deuxième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vos princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde, pour la perte des âmes, et si soit-il. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour la méditation du troisième mystère lumineux. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Dans Bonne Nouvelle Jésus-Christ, selon d'après Marc Kissin, chapitre 1er, verset 15, il y a une grosse déclaration ça que Jésus-Christ fait dans le commencement ministère public. Alors il dit en effet, il a cité, tant yo accompli. Royaume bon Dieu à tout prix. Changez que nous. Et puis quoi? Une bonne nouvelle là. Mais regardez bien. Jésus-Christ commençait par prononcer résumé ministère li, une phrase et pour dans ça. Tant yo accompli. Tant yo accompli. C'est une invitation pour nous aborder le temps comme une réalité qui guette arriver dans
tout ça que le dédoué produit, tout ça que le dédoué bail. En d'autres termes, sont capables de le temps favorable, le temps propice, le moment opportun, c'est le présent. Patonne demain ou bien après-demain pour réaliser ça, bon Dieu, mettez sous cœur. Pas dit, ma guetan. Ma guetan ça ou pas gagne. C'est-à-dire, plus gros cadeau qu'on gagne, c'est le moment présent. C'est le maintenant. Alors, la Théo dit, hic et nunc. Ici et maintenant. Koto woyala. On va suivre chapelet, on a fait chapelet ensemble. Dans le moment, ça là, koto woyali, c'était moins le cas. On a fait chapelet. C'est lui qui, moment favorable là. Donc, vive-li pleinement. Vive-li avec tout son gain. Vive-li avec tout moun koye. Pas tant demain pour vivre, pas tant demain pour faire ce qu'on peut faire, ce qu'on bien on doit faire. C'est à 6h45 ça là pour faire. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Per face et néfaste. Quel que soit ça qui pourra le passer, quel que soit Jean Bayot arrivé, qui te volonté bon Dieu faite, mais ou même vive pleinement moment qu'on va vivre là. Vivre pleinement. Ça va veut dire pour pas user de prudence, ça va veut dire pour pas faire attention. Ça va veut dire pour avancer de la vie avec naïveté. Connais que l'esprit bon Dieu qui n'a ou même la permettre qu'on avance gens pour avancer bien, mais pas quitter danger qu'on est capable discerner fait que ou pas vivre gens pour vivre. Parce que ça pour accomplir c'est moment ça là qu'on gagne pour accomplir. Te couche à plaît ça là, on va faire là. Pas faire la demi, pas faire la moitié. Pas faire chapelet à un morceau, pas faire chapelet à un tiaké. Pas faire chapelet à pendant on va quitter le bagage distrait. Parce qu'on capable gagne l'autre chapelet pour faire. C'est moment ça qu'on gagne. Ouais, chapelet n'était fait hier. Li quand t'as passé déjà. Ça pour te faire dans vie là, il fait déjà. Chapelet hier, nous, pas besoin de considérer l'encore, parce que le gars a passé. C'est chapelet Kounia qui a fait un moment ça là, c'est lui-même qui favorable. C'est lui-même qui opportun. Donc, nous besoin de faire, les gens pour nous faire. C'est nous devons faire. De telle sorte que si ce dernier chapelet n'a pas fait, pour nous aller sans regret et pour nous aller tout avec sentiment. Que dernier chapelet ça ne fait les ouvrez nous les portes du royaume des cieux. Donc tout sera fait dans la vie, toujours songer, les temps sont accomplis. C'est le présent qu'on gagne. Donc dans le présent, fais tout ce que tu dois faire pour arriver dans le royaume ciel là. Fais tout ce que tu dois faire pour capable ouais bon Dieu. Fais tout ce que tu dois faire pour bon Dieu capable prendre plaisir là-dedans. Nous allons faire troisième dizaine ça pour demander bon Dieu grâce spéciale ça. Seigneur, aide-moi vivre moment présent dans fait volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté dans le présent, dans le moment présent. Seigneur, aide-moi à te rencontrer dans le présent. Aide-moi à aider les autres à te rencontrer dans le présent. Frères et sœurs bien-aimés, nous supposons que nous, pour notre donc la troisième dizaine, ça, troisième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposez cœur, disposez tout vous-même, et en nous cognant donc, préparez-nous pour la méditation du troisième mystère, du quatrième mystère lumineux. À nous entrer donc, il y a un petit moment, dans le silence, font que nous. Thank you.
Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Et 6 jours après, Jésus-Christ prend avec lui Pierre, Jacques et puis Jean, frère Jacques-là. Il était mené au côté à l'écart, sur une montagne qui haut en pile. Et là, Lévin transfiguré devant eux, visage lié. Vin brillant tant qu'au soleil. Il va qui était sous lui. Vin blanc. Vêtement lui, vin blanc. Tant qu'au lumière. C'est ça que nous lisons dans l'évangile Jésus-Christ selon Matthieu qui saint, chapitre 17, verset 1 à 2. Jésus-Christ, et c'est ça nous matin, il prend apôtre à l'écart. Il est à l'écart. Son montagne qui roule en pile. Parce que gagner des révélations le pour le fait à vous-même, ou pas arrêter dans mitan foule. Ou pas capable arrêter dans mitan foule. Trop malheureusement, et souvent des chrétiens qui ont été trop à l'aise dans la foule. Frère, je suis des révélations pour le faire à vous-même. Il faut avoir courage pour sortir dans la foule, pour aller à l'écart. À l'écart, on veut dire, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie de prière, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie de moralité, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie missionnaire. Vous pouvez vous connaître, même si nous sommes dans le monde là, mais nous ne faisons pas partie du monde là. Alors en français, formule l'apôtre Saint Paul là, c'est nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pas parce que nous sommes nous ensemble avec eux, pour nous rester croyés que nous devons vivre même gens avec eux. Nous devons fonctionner même gens avec eux. Non. Pour nous capables, tout bon vrai, de gagner révélation, bon Dieu, dans nous-mêmes. Révélation petite, bon Dieu, dans nous-mêmes. Révélation de l'esprit, bon Dieu, dans nous-mêmes. L'important matin, pour moi, avec vous, prendre conscience de nécessité ça, pour nous vivre à l'écart du monde. Frère Mzem, la musique là qui est à la mode dans le monde là, n'est pas qu'à bouche. Le style habillement là qui est à la mode dans le monde là, il faut faire attention à elle. Le langage que le monde là a utilisé là, il faut prendre précaution. Il ne faut pas la guerre. Le style de bamboche qui est à la mode dans le monde là, il faut faire attention. De façon, que mon nom monde là a fait kobio, faut prendre précaution pas qu'à la guerre comme ça pour dire comme ça tout le monde fait bon fait tout dicton ça en français les dangers en pile tout le monde le fait le donc il y a parce que tout le monde fait non pour faire est-ce que les n'a volonté bon Dieu donc, n'oubliez pas si vous voulez vraiment que Dieu le Père que le Fils Jésus que le Saint-Esprit et se révèle à vous, tenez-vous à l'écart du monde. Voilà pourquoi le quatrième dizaine, ça, nous a des belles grâces, ça. Bon Dieu, fais de nous des consacrés. Garde-nous à l'écart du monde. Garde-nous à l'écart des pratiques de ce monde. Quatrième dizaine, quatrième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et tous les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui et son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous pour méditer le cinquième mystère lumineux. Prenons un moment dans le silence de nos cœurs. Cinquième mystère lumineux,
l'institution de l'Eucharistie. Pendant que tu es à table à manger, un bel jour, je dis c'est ça. Jésus-Christ prend un pain. Il prononce bénédiction. Il casse. Il baptise en lui et puis il dit yo, prends. Mangez là dans nous toutes. Réellement vrai, ça, c'est comme. C'est ça nous lit dans l'évangile. La bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Matthieu qui saint, chapitre 26e, verset 26. Vous regardez dans le texte, il dit, Jésus-Christ prend pain. Il prend pain. Et puis il prononce bénédiction. Il est cassé. Et puis il baptise en lieu. Ce n'est pas pain seulement pour l'utiliser. Égal, pour du vin également. Mais, en plus de nous, besoin de comprendre pourquoi ça c'est pain. Et que, qui utiliser le repas, fait Pâques là. Et pas n'importe qui pain, un pain qui sent. Sans levain, il y a un pain qui sent sel. Il y a un pain qui a conservé. Il y a un pain donc qui est son nourriture pour faire route qui est longue. Il y a un pain qui est là pour capable manger pendant libérer ou pendant sauver pendant. Ou à déplacer. C'est pas un pain pour un jour de jour, mais c'est un pain qui doit tourner en nourriture pour un monde qui n'a pas gagné tant sur la route là pour la chita faire manger. Il y a une nourriture donc de voyageurs, une nourriture pèlerin. Il y a un manger que je peux conserver pendant sur la route là. Pas qu'on est qui s'en va le venir en route là. Mais mal avec ça en réserve. Voilà l'origine du pain et de la Pâque. Le Israël t'a quitté l'Égypte. Et bien même pain ça, Jésus-Christ dit c'est comme moi. Donc comme moi, qui prale en nourriture pour tout le monde qui considère être comme pèlerin sur terre, et qui connaît une route qui est longue, et qui connaît une route que y a, il y a besoin de nourriture pour avoir force, une nourriture qui peut gâter, une nourriture que, autant qu'il y a grand goût, qu'il y a besoin. Frère, on va remarquer que très souvent, ou plaidé à manger, nourriture qui a passé. Trop souvent, ou appuyé sur une bonne nourriture qui a varié. Trop souvent, ou essayé de consommer une série de nourriture avant même les gars arrivent dans le bouchon. Les gars gâté déjà. Il n'y a pas de vitamine, il n'y a pas de consistance. Ça faut pas le que il n'y a pas de vitamine, il n'y a pas de consistance. Et bien, c'est pendant ce route là où elle perd du force. Qui j'en perd du force? Le tristesse pour elle venir. Le problème pour elle venir. Les difficultés pour elle venir. Les persécutions pour elle venir pour pas le pas de résistance. Le timoun, petit bébé a. J'ai la purée l'amèle, l'envelle pour elle mourir dans mon. Et pour pas gagner force ou pas gagner dedans. Le travail a beau pression. Et pour venir ou pas gagner force ou pas gagner dedans. Le monde te compte sur yo ou bien mon a aidé. J'ai connu pour tout nos persécutions, on pongongon encore. Et pour venir nous compte qu'on pas gagner dedans, pas gagner résistance. Tic tic crac la joie au parti. Tic tic crac pour rien.
Et pour ouais, il était tout gâteau chaud par un côté pour mettre corps au pagain en dedans. Et Satan prend plaisir dans ça. Parce que lui-même la courir dehors pour le faire dans marcher pour que tu perdes du force, perdes du résistance. Donc nourriture qu'on besoin pour qu'à faire route là sans que fatigue pas pour te aller. Nourriture ça, c'est présence mon Dieu. Présence mon Dieu. Et ça fait n'a dit au pico cadeau qu'a fait tête tout. C'est chercher rencontrer avec bon Dieu. Parce que l'orgue bon Dieu, le bon Dieu en dedans son nourriture. Et on capable découvrir puissance nourriture ça. Le problème qu'on pas rencontrer et qui gens pas le ou réagir par rapport à lui-même. Gon façon pour réagir face à problème et ça que pas le faire ouais ou de ganda. Ou de manger, ou de consommer en nourriture, qui bon force. Parce que le bon résistance, résistance face aux persécutions, aux difficultés, aux tracas, aux problèmes de la vie, du quotidien, notamment face aux attaques de l'adversaire, face à la poursuite de l'ennemi. Alors, Mater, on nous fait provision de présence, mon Dieu. On nous fait provision de présence d'esprit. Pour nous capables de jump, pour nous capables de ferme face aux difficultés, face aux tracas de la vie. Le vrai mère. Dans cette cinquième dizaine, demandons à Dieu la grâce de sa présence aimante et vivifiante. Seigneur, fais-nous grâce de ta présence aimante et vivifiante. Cinquième dizaine, cinquième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous prenez de la milice céleste à repousser en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Et ce castor martyr, priez pour nous. Ce castor martyr, priez pour nous. Ce castor martyr, priez pour nous. Et qu'on y ait à frem, et qu'on y ait à sem, l'ouvre-cœur pendant un petit moment, et laissez que puissance, bon Dieu, que puissance, bon Dieu, que puissance, bon Dieu lui-même, habitez dans vous-même. Rappelez-vous tout entier. Au moment ça, écoutez, n'a pas regarder vers lui-même pour nous jouer le matin en force, pour nous continuer. Cette route, cette mission, ce chemin que les déposés nous la donne. Le vrai main, fais mes yeux si vous êtes capable et à nous laisser nous envahir par la présence de Dieu. Levez deux mains, et à nous répéter ensemble cette prière pour exercer notre ministère en tant que prêtre, en tant que prophète, en tant que roi, par notre baptême. Levez deux mains. Au nom de Jésus, en vertu de mon baptême, je prends autorité à l'instant sur tout ce qui se trouve autour de moi. J'invoque à l'instant sur ma personne et tout ce qui m'entoure la grâce et la puissance de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu maintenant recouvre et habite tout ce qui m'appartient, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais toucher. Que la présence de Dieu recouvre et habite toutes mes possessions et tout ce que je vais utiliser. Au nom de Jésus, par l'autorité de mon baptême, je lève les mains à l'instant et j'évoque le Saint-Esprit de Dieu pour chasser loin de moi, loin de ce que je possède, loin de ma famille, tout esprit mauvais, tout esprit malsain, toute attaque de Satan, toute persécution de l'adversaire. Je les chasse, je les rejette, je les renvoie en enfer pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus,
par les mérites de ses saintes plaies, par son sang coulé sur la croix, par sa passion, sa mort et sa résurrection, par son ascension dans le ciel, je déclare ce matin, sur moi et sur ma famille, sur tout ce que je possède, sur mon ministère, sur ma mission, sur mon travail, sur ma famille, sur mes enfants, je proclame à l'instant la libération. La libération. La libération. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Je proclame ce matin sur tout ce que je possède, sur ma personne, sur ma famille, sur ma mission, que coule le sang précieux de Jésus, que tombe le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, consacre-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, envahis-moi, ainsi que tout ce que je possède, ainsi que toute ma famille, ainsi que ma mission, ainsi que mon travail. Esprit de Dieu à l'avant, Esprit de Dieu à l'arrière, Esprit de Dieu à gauche et à droite, Esprit de Dieu au-dessus et en dessous, Esprit de Dieu partout. Que je sois aujourd'hui un enfant de lumière, un enfant de la grâce, un enfant d'amour, selon le cœur et la volonté de Dieu. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Et amen. Le 28 mars, ça, l'Église catholique a invité nous pour nous qu'il y ait la mémoire nous et pour nous prendre exemple, pour nous tirer ce modèle la vie un jeune garçon, Castor, avec l'autre amie Dorothée, qui était à le prêcher dans la ville côté Paul, de Moun, et Tars, dans Cilicie. Et le prêché là, c'était à l'époque, quand il y avait un pile paganisme, il y avait un pile de vie païenne. Et puis, il n'y a pas de remède, il prêche là. Il y a un prêche à l'époque qui était axé en pile sous le monde qui n'a bon Dieu, pas d'indifférence. Le monde qui n'a bon Dieu, pas gagné qui est esclave, puis gagné qui pour libre. Tout le monde égal, égaux, national, nationaux. Parole qui pas te fait plaisir. Parce que société, à l'époque, ça était très féodal. Tu as des gens qui dans les net, il y a les nobles. Après ça, tu as gagné une puissance militaire yo, qui t'a protégé les nobles avec bien. Yo. Et pour les peuples là, et puis
Naomi qui travaille comme paysan. Après ça, la kay nob yo, ou te fè nan pil moun ki esclave. Esclave yo, c'est moun ki ou te prend. Après, yo fin fè guerre, yo fè de razia, ou se de côté al pillé, al krasé. C'est ça l'armée, nan tan longtemps. Et pour ça, yo te utile, ça yo te réglé. Aller, on se de côté pillé pour prendre bien, on se de notre nation. Et puis, yo fin prendre bien ça, pour yo camper encore, pour yo surveiller. L'autre monde qui a joui bien ça, qui c'est des nobles. Donc, réalité, ça que tu as fait là, tu as une cause que quand le monde a fait guerre, a fait razia comme ça, le monde qui perd du bataille, il prend, et puis il transforme en esclave, il fait vini dans un grand domaine, dans un grand château, côté même nobles, ça a vivre. Puis c'est monde ça qui servit comme auxiliaire de maison. Puis là, qu'on utilisait tout dans le jardin, dans le travail, comme artisan, comme paysan, etc. La société, ça, l'on vient avec une prédication, avec un message, que Jésus-Christ a dit, de pour monde, ou quoi, de pour baptiser, nous tous nos frères et soeurs, pas des esclaves, pas des monde libre, pas des riches, pas des pauvres, son message qui n'a pas fait plaisir, parce que vous venez attaquer la structure société à lui-même, une société qui est très inégalitaire. Une société chez manger chez, une société où des monde a détruit l'autre. Alors Castor, avec l'autre compagnon, il n'y a pas de peur pour aller prêcher parole là. Mais tu connais qui danger que tu es dans ça tout. Parce que les paroles là prêcher, il faut qu'on ait les danger là-dedans. On a bien mené le système, non? Le système en place là, il n'y a pas qu'à content avant. Alors, il fait complot, il fait coup de mal taille. Ils ont arrêté Castor et puis ils ont martyrisé. Ils ont tué lui et ils comprennent. Et qu'ils ont remporté des victoires. Mais comme pareil, qu'ils ne connaissent pas. La parole de Dieu est son semence que lui. Dès qu'on s'y mêle dans le monde, il a besoin d'une bonne terre quand même, côté la racine, côté la développer, côté la grandir. Et bien je vous dis, qu'il y a un paquet de monde à la ville de Tars. Qui est converti, qui parle faire de Tars, une grande ville du christianisme, une grande ville de libération, une grande ville que le monde va aller vivre avec le monde, prédication de Castor pour aller aider ça. Parce que l'idée, on semence, qui était tombé dans des bonnes terres, dans des cœurs qui étaient sincères, qui étaient droits. Donc, regardez la vie Castor, ça va nous encouragement, même qu'à prêcher par le bon Dieu, pour ne pas jamais faire bac, pour ne pas jamais dire. Eh bien, comme il y a danger, je ne vais pas faire ça. Même si il y a danger, frère, je vais continuer à prêcher, continuer à faire le travail. Parce que bon Dieu que nous avons servi, nous avons fait une mission nous, avec tout que nous. Eh bien, bon Dieu va faire que mission ça. Les avancer, les grandir et les porter fruits. Frère, je vais demander intercession sur ces castors. Pour pas jamais faire back la mission pao. Mon intercession, c'est Castor. Pour pas jamais crason quitter ça. Mon intercession, c'est Castor. Pour capable. Al pour des bonnes nouvelles là. Ne serait-ce que pour changer structure sociale côté ouïa. Pour changer réalité inégalitaire. Réalité d'oppression. Côté ouab vivre là. C'est Castor, martyr. Intercéder pour Haïti, ce castor martyr, intercéder pour l'Église, ce castor martyr, intercéder pour tous nous-mêmes qui soulignent la prière mater. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, rappelle-toi, nous nous unissons à Jésus qui entre dans sa passion et nous supplions le Père des hommes. Seigneur, rappelle-toi l'homme que les siens ont trahi. Seigneur, rappelle-toi l'abandonné qui redoute les heures de la nuit. Seigneur, rappelle-toi l'innocent que l'on arrête comme malfaiteur. Seigneur, rappelle-toi l'accusé injustement condamné. Seigneur, rappelle-toi le prisonnier frappé, humilié.
Seigneur, rappelle-toi, le juste que l'on mène à la mort. Seigneur, rappelle-toi, celui qui jusqu'au bout te fait confiance. Nous faisons confiance. Jusqu'au bout, Seigneur. Pas oublier, nous. Songez, nous. Pas oublier, nous. Songez, nous. Pas oublier, nous. Songez, nous. Où est et où connaît toute bagaille. Bon Dieu, où est et où connaît toute bagaille. N'a pas d'où t'en prie. Pas oublier, nous. Songez, nous, papa. Songez, nous, papa. Songez, nous, papa. Maintenant, Jésus l'a prié au matin. Les mêmes qui vivent et qui régnaient, avec ou même avec cet esprit, et puis tout le temps, et pour tout le temps. Amen. Frère, monsieur, l'ouvrir-mère, monsieur, de l'ouvrir-cœur pour la bénédiction finale. L'ouvrir-mère, monsieur, de l'ouvrir-cœur pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons que vous passiez une excellente soirée, excellente journée, pardon, en bas la grâce, en bas parapluie, protection pour Dieu. Et que pendant la journée, ça, baptême ou renouvelé, mission comme prêtre, comme prophète et comme roi. N'a pas rappelé tout le monde, je dis à ces jeudi saint, pendant que prêtre matériel même, il a renouvelé la promesse à bon Dieu, ou même à Soya, n'aptanou dans différentes églises catholiques, mais spécialement, dans Cambridge, n'aptanou à 6 heures pour la messe de la Sainte-Seine, et n'aptanou tout dans Somerville, dans l'église Saint-Joseph, pas l'église Sainte-Anne, l'église Saint-Joseph, pour la messe de la Sainte-Seine. Donc Saint-John, c'est à 6 heures la messe, Saint-Joseph, c'est à 7 heures. Saint-John, c'est à 6 heures. Saint-Joseph, c'est à 7 heures. La messe de la Sainte-Seine. Je vous souhaite que vous passez une plus belle journée dans la vie. Sinon, plus belle journée dans la vie. Et que la pluie, ça va tomber. Si on n'a plus la grâce, on la pluie bénédiction, on la pluie protection pour vous-même. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu kembe. Excellente journée, excellent jeudi saint à toutes et à tous. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour l'amour donné, pour tous tes bienfaits, merci. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour l'amour donné, pour tout tes bienfaits, merci. Pour l'aveugle qui voit, pour le muet qui parle, pour le sourd qui entend, pour l'infirme qui marche, pour l'athée qui croit, l'incrédule qui a la foi, le malade guéri, pour ton peuple béni.
Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être. Merci pour ton cœur sacrifié, pour nos larmes séchées. Merci. Pour la paix retrouvée, pour l'amour partagé, l'assemblée réunie, pour tes enfants qui prient, tes serviteurs inlassables, les meneurs du troupeau, ta lumière dans la nuit, ta bonté infinie. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être. Merci pour tout, pour l'amour donné, pour tous tes bienfaits. Merci pour cette âme égarée qui cherche ta voix, pour l'enfant rebelle qui revient vers toi, pour les dons reçus, pour tes grâces multiples, ta divine miséricorde et pour ton salut. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être. Merci pour tout, pour nos cœurs contrits et pour ton pardon. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, de tout mon être. Merci, 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 et pour ton pardon.